Merci, bonne journée. Merci. En quête d'équilibre, de quel côté faut-il chercher ? En bas ou en haut ? Le rythme que la vie impose en bas n'est pas toujours celui de l'humain, mais plutôt celui de la machine. La capacité à digérer toutes les informations qui circulent semble limitée et le disque vite saturé. Le temps que l'on essaye d'étirer dès le matin au réveil afin d'y faire tenir un maximum de choses n'est finalement pas élastique. Tout semble parfois si foisonnant, si compliqué, si rapide, que c'est vite l'indigestion, le déséquilibre et parfois la chute. En montagne, tout est plus simple, tout semble à sa place et au bon rythme. Il n'y a rien à faire à part marcher, grimper, exister. C'est la nature qui travaille, qui reconnecte à sa source. Le corps se met en route en même temps que le flot d'informations se calme. Avancer, mettre un pied devant l'autre et recommencer. Au sommet, influencé par les cimes environnantes comme autant de nouvelles promesses, la tentation est forte d'aller voir plus haut, plus loin. Même si tout est là, à portée de main, les rêves d'ailleurs et le paradoxe de vouloir aller chercher des montagnes lointaines est parfois plus fort. Thank you.
soi, l'expérience du mauvais temps est une sensation que l'on n'oublie pas. La présence du vent, de la pluie ou de la neige rappelle que l'on est bien vivant et projette sans détour dans l'instant. Lorsque la tension se relâche, chargée à bloc des hormones de l'effort et du risque, que l'on vient d'échapper aux intempéries et parfois à pire, se dégage alors une forme de paix. Mais jusqu'à quand ? Très vite revient l'envie de nature, de beau, d'escalade, de partage et de voyage. L'itinérance sur plusieurs jours, combinée à l'escalade, recharge les batteries pour longtemps, nourrit en profondeur et se révèle être une belle forme d'équilibre. Au fil des jours, le corps se rôde, les tensions s'apaisent et une transformation s'opère. Cette vie simple et frugale, où rien ne s'achète, se remplit d'instants forts et impermanents. Une expérience qui rime alors avec évidence. We'll be right back.
La fin du parcours est un point d'orgue au sommet duquel on ne voudrait jamais redescendre. Conserver cette vision juste du monde, de nous-mêmes et des autres, arriver à transposer en bas les sensations vécues là-haut, tel est le défi. En bas, le choc est de nouveau brutal et la réadaptation parfois déconcertante. Alors revient la nécessité de s'échapper, de repartir, de prendre de la hauteur. La sangle est une sorte de miroir. Elle reflète l'état intérieur. Elle oblige à la concentration en même temps qu'à l'abandon. Se tendre pour mieux se détendre. Avec le vide nous rappelle paradoxalement notre goût de la vie, notre volonté de ne pas passer à côté. Continuer à avancer dans un équilibre précaire, à mi-chemin entre le monde d'en haut et celui d'en bas. Tous les hommes étaient des dieux.
Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que le maître des dieux décida de leur ôter leur pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Les autres dieux furent convoqués à un conseil et proposèrent ceci. Cachons la divinité de l'homme au sommet de l'Himalaya, là où l'oxygène est si rare qu'il ne peut y respirer. Tôt ou tard, dit le maître des dieux, l'homme arrivera à escalader les plus hautes montagnes. Cachons-la dans une île glacée, perdue au milieu de l'océan, le plus dangereux, dit le second. Non, dit le maître, un jour, l'homme intrépide réussira à franchir cet océan. Alors, dit un autre, pourquoi ne pas la cacher au fond des mers, dans les abysses ? Il réussira à atteindre le fond des mers car il est inventif et ingénieux, répliqua le maître. Toutes les solutions parurent également inadaptées. Alors les dieux conclurent qu'il ne semblait pas exister sur terre ou dans la mer d'endroits que l'homme ne puisse atteindre un jour. Voici ce que nous ferons. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la Terre. Il a exploré, escaladé, plongé à la recherche de quelque chose qui se trouve